Cette vidéo est un hommage à Jean-Luc Robert. Bon, salut les gars, on revient de se réveiller là, deuxième jour. Je vais faire le petit déj pour tout le monde, puisque hier soir on a fait une petite soirée. On va essayer de faire un truc pas mal pour que tout le monde soit bien en forme. Donc c'est parti pour la petite cuisine. Voilà, petit déj prêt. Du coup, on a du lait, des céréales, des Belvita. Bon, la vodka, c'est le seul truc qu'on avait pour mettre de l'eau. Petite omelette là, petite pastèque. On a joué à The Game. On va faire les courses. Ouais. Là, c'est courses là. Courses. On revient des courses avec tous les copains. Courses. Tu penses quoi de note les courses sur 7, Barnaby? 5. Parce que c'est marrant. Clément, tu notes les courses sur 7, combien? 5,4. C'est mieux? Un petit 6 tout de même. Hein. Moi, je dirais un 6, 3 quarts moins 2. C'est quand même équilibré. Hein. Donc pour moi, ce sera un 5. Quand voilà, voilà la gueule d'un frigo. C'est bien rempli, pas trop cher. Parfait. Ça va. Bon, on va faire une petite pétanque? Oui. C'est parti. C'était pas une question. Il est là. C'était vraiment une affirmation. Mais là, on est moins bien. J'en ai moyen, ah, parce qu'elle va être pas mal. Non, regarde. Poum. Mais arrête, mais putain, mais je suis ton coéquipier. Alors continue. Bah oui. Mais arrête, Samuel, tu as des avantages. Putain, mais quoi? Le plan de non, mais ça chute rien. Clément, je vais dégommer la sienne. Putain, quel fils de pute. Eh. Mentaliste. Je l'avais vu. T'as dégommé ma bouche. T'as... Oh, magnifique. T'as vu le but là en plus entre les deux. Ouais. Bah non, mais là on a gagné là. Vous avez 4. Là on a 3 points là. Allez, petit croque-monsieur. Merci. Donc on a fait des petits croque-monsieur parce qu'on a l'impression qu'on mange toutes les 30 secondes. En ce temps-là, il y a les gars qui sont dehors, ça va préparer un petit volet. Ça s'est mis très très bien en haut. On va aller faire un petit volet. Allez mon grand. Et oui, les croque-monsieur ont tous été mangés. C'est parti pour la 14e partie de volée de la journée. Aujourd'hui, c'est pour la vaisselle, comme tous les jours. Oui. Oh, allez. Trois fois deux. Non, j'arrête de jouer. Non, je boude. Mais j'ai pas fait exprès. Si. Non, si, t'as fait exprès. Mais non, j'ai pas fait exprès. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. T'as fait exprès. J'ai plus voulu mettre un j'ai pas fait exprès. Oh la gamelle! Combien? Attends! 4-1? Johan! C'était pour Johan! Johan, 4-1! Mais arrête de faire ça! Alors là c'est pour moi! Ta gueule! Je suis énervé là! Sorti! Terminé! Je suis énervé! Combien? 8! 8-2! Yes! Sors pas! Pas de l'eau! Je suis devant, il est là. 9-2 ici. C'est à toi d'y aller là. Pour l'instant, personne n'a gagné que ce mur. Allez, frère, elle passe au-dessus de ta tête. Tu la prends, elle était juste au-dessus de toi. Elle est derrière sa gueule. Mais attends, après, il va dire qu'il parle. Coucou. On a fait 4 heures de volée, on regarde des épisodes de Brooklyn Nine-Nine. On se retrouve demain pour la suite. Et ça va être bien ce qu'on va faire demain. Et on est plus de 3, Samuel s'est couché. Oui. Ouais. Et demain, ça va être très très bien ce qu'on va faire. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé l'extérieur et tout. Du coup, je vais le faire maintenant. J'espère que vous allez kiffer, parce que c'est plutôt joli. Ça, du coup, c'est le jardin. C'est là où on a joué au volet, machin. Donc, la maison, elle ressemble à ça. Voici la maison de tous les rêves, de tous les plaisirs. Bon, je crois que vous commencez à comprendre un peu ce qu'on va faire, quoi. C'est-à-dire que, du coup, ça part, petit déjeuner, on fait une omelette, un peu de pastèque, et puis après... Attention, on l'a dit hier, ça va être du lourd. Ça va être atelier sandwich. Du coup, j'ai cuit un peu des oignons, le reste de lardon qu'on avait. Et après, du coup, on va attaquer avec la salade. Il y a du jambon là, de la crème. Il y a aussi une sauce quelque part d'autre. Donc bon, on se retrouve pour l'atelier sandwich. Les gars, ça fait beaucoup de fumée. Hein, c'est... Non, c'est des belles pistes. Okay.
Donc on est arrivé à Fosse d'Artaud. Voici le chemin. C'est comme vous voulez. Ouais, je suis bon pour poser. Aussi, ouais. Moi je suis chaud pour se poser, on graille, après on... Ouais. Bon, on est peut-être un peu sorti de la randonnée quoi. Sauf que le problème c'est pas très rassurant parce qu'on passe vraiment devant des maisons quoi. Et on est vraiment sur du béton quoi. Donc ça va être en forêt. Mais après il y a des gens en fait. On est de retour dans la forêt. Mais ça monte. Et Clément l'avait déjà dit, du coup ça m'énerve. Il avait raison. Ouais. À la fin tu dirais que j'ai raison. Ça c'est la limite du coup entre le Lorne et la Manche. Ouais. Ah il y a des petites fleurs et tout. Normalement, on arrive au panorama là. Wouah! Je l'avais dit, ça allait être énorme! Oui! Incroyable! Oui! Je vais tomber le ballon, c'est pas le ballon! Juste regardez ça! C'est incroyable! C'est vraiment incroyable! Et le beau gosse là-bas là! Quand même pas mal haut quoi. Ouais, en gros là tu me dis du coup c'est la chambre du roi Arthur là où il dormait dans la chambre du roi Arthur. Du coup dans une grotte. Petite grotte voilà. Ouais. Et il y avait une autre grotte pour sa femme. Ok. La règle c'était qu'il n'avait le droit de se voir que après le crépuscule. Ok. Enfin, après, et du coup il l'a pas respecté du coup la grotte s'est effondrée. La grotte s'est effondrée. Et on entend bien la cascade là qui est en bas. Ouais. Et on voit déjà la route là-bas. Vous allez nous entendre parce que c'est extrêmement fort mais il y a une cascade de fou là. En gros, il y a une histoire comme quoi en bas de la cascade, du coup la cascade qui est là. C'est là aussi. Hein. Ouais, qui est là. Voilà. Non, c'est surtout là. Hein. Qui est là et qui est là. Et ben en gros, là, t'as un trou d'eau ouais. Sans fond. C'était les paysans, ils venaient ici, ouais. Vu qu'ils voyaient que la légende c'était un gouffre sans trou. Ouais. Sans fond. Ils déposaient des pièces en fait au fond du gouffre pour que Arthur leur offre des taureaux qui vont sortir de l'eau pour les aider lors de leur culture. Cool. Stylé mon gars. Le lac. De Mortain. On va se poser, peut-être de pique-nique, on mange après visite de la grotte, visite de la chambre de la reine. Allez, bon ce appétit à tous. Très stylé quand même. Petite presqu'île au milieu du lac. Après avoir découvert une nouvelle passion de Samuel, qui est entre autres les ralentis. On met quelques extraits pendant la vidéo, Samuel. Qui nous doivent tes meilleurs extraits. Et puis bah maintenant on va à la grotte. On vient d'arriver à la grotte de la reine. Yes. Elle est sympa. C'est claqué, merde. La grotte de la reine, yes. Ils ont fait tout un chemin pour vraiment voir. Ça, bah des gros blocs de pierre non, quoi. Non, vous êtes venu pour me voir moi. Ah oui. Je suis un spécimen. Vous pouvez me faire une blague s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est noir, blanc et vert? Le drapeau du Nigeria. Ah, pas de noir. Oui. Ah si, dedans. Donc. Oui, allez. Deux pandas qui se battent pour un cornichon. Merci. Merci. Allez, à la voiture, c'est parti, on retourne faire du volet à la maison. Ah. Non, voilà, on voulait rentrer, enfin on veut rentrer. Ouais, on fait des petits tests de mécanique pour que la Clio qui démarre pas et démarre. Bon, je mets les warnings quand même, tu me diras. Bon, on s'est endormi comme des merdes hier devant la télé. Du coup, bah là, c'est nettoyage, vaisselle, mettre les bouteilles dans les verres, tout nettoyer. Il est 8h30, faut qu'on parte à 10h, puis on rentre à la maison. Le petit déjeuner, c'est fait. Douche. Fait. Bon bah voilà, on a tout bien rangé. Ça a quelqu'un ça tout ou ça pas? Ça c'est fait. Ça fait les affaires. J'ai juste la tasse de Samuel là. On a même tout bien fait la vaisselle. Tout est beau. Dehors, plus de terrain de volée, plus rien. On rentre à la maison. Bon bah on part déjà de la maison. Le retour de la truc de gitan. La voiture de gitan. On met tout dedans. Il y a encore des verres, putain. Au revoir la petite maison. Au revoir maison. Au revoir maison. Le portail, Clément va fermer le portail. Samuel, résume en un mot ces vacances. Cool. C'est des vacances cool mec. Cool. Barnabé, un mot des vacances. Super sympa. Moi je dirais yes. Clément, un mot pour ces vacances. Un mot pour les vacances. Ouais. Yes. C'est parti. La prochaine fois je me coupe les pieds avant d'arriver. Wouah. Barnabé, arrête. Je l'ai. Oh, t'es chiant, ouais. Oh, rigole, Bibou. Bibou, là. Bibou, tu veux pas faire un bisou chez toi? Non, pas Bibou. Non, oh, non, t'arrêtes. Pas. T'arrêtes. J'ai bien dû se faire yes. Entendre.
En fait, on retourne en vacances. Ah, marche arrière. On a oublié la Chromecast et un oreiller. C'est vrai que là, on, du coup, bah, on a pris une heure de route à rien faire. Quoi. Ça fait plaisir. Le retour de la maison. Ouais. Merci Clément. Merci Clément. Au revoir la maison. Au revoir Kate. Attends, attends, on est passé à côté de la ville de Villechien. Ils s'appellent vraiment Villechien. Les gens s'appellent les Toutouvillés. Les Toutouvillés ? Bah oui, là. C'est vrai, les Toutouvillés. Mais oui, c'est pas une blague. Les Toutouvillés. Les Toutouvillés, mon gars. Les Toutouvillés. Ceux qui trouvent dans les commentaires à quoi ça sert, bien joué à lui. Est-ce qu'il y aura des commentaires ? Au revoir, Clément. Bonjour, mon Clément. C'est le au revoir. Bisous, Barnabé. Bisous, copain. Bisous. Bisous, copain. Bisous, Barnabé. Je t'aime, Charles. Je t'aime, Charles.